Salut, salut et bienvenue dans un nouveau Weekly Vlog. Donc, il est tard. Attendez, je m'installe parce que j'ai la grosse sur les genoux. Oup là. Alors, il est 11h18. Il est très tard. On a dormi jusqu'à quelle heure aujourd'hui? 8h30? En plusieurs fois, hein, mais on a dormi jusqu'à 8h30. Et du coup, je devais filmer le dernier make-up de la Better Look que vous aurez demain, si j'ai pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Ouais. Avec la Martine fait du ski, mais vlog depuis 8h30 ce matin. Tout ce que j'ai fait, c'est mes soins. Voilà. Même si je dormais en ce moment, arrête de lécher mon pull. Fous la pastiche. Même si je dors bien en ce moment, je dors peu, mais j'arrive à me reposer. Donc j'ai envie de dire, il était peut-être un peu temps. Je viens de dire à Manon, peut-être que 2023 est l'année où je pourrai enfin savoir ce que c'est qu'un sommeil réparateur. Donc je vais déjà vous raconter mon petit week-end. Donc le vendredi, mais arrête, elle lèche mon pull. Le vendredi, donc j'ai perçu mon colis Amazon et je l'ai toujours perçu aujourd'hui non plus. Il marque que je devrais le recevoir entre aujourd'hui et mercredi, et que si je l'ai pas reçu mercredi, je peux demander un remboursement. Donc voilà, j'attends, je pense que je l'aurai demain. Arrête, je parle. Le samedi, donc du coup c'était le jour du réveillon, j'ai quand même tourné deux vidéos, j'avais envie. Après, je me suis fendu la gueule parce qu'il y avait Ryan et Riley qui jouaient dans le jardin. C'était trop marrant. Ryan a été lui montrer pour creuser. Arrête ou je te mets par terre. Tiens, dis bonjour les gens. Bonjour les gens. A été lui montrer pour creuser dans son trou. Sauf qu'il a réfléchi après que c'était le trou où il enterrait ses os. Donc après, il a été déterrer tous ses os de son trou pour les mettre dans un autre. Mais c'était drôle, c'était drôle. Donc je me suis préparée pour le réveillon. Le réveillon était franchement génial. On a passé une super bonne soirée dans ma belle famille. On a fait des blind tests et tout. C'était top. On a passé vraiment une belle soirée. Ça a compensé vraiment le Noël pourrave que j'ai eu. Et en même temps, c'est l'anniversaire de mon neveu hein, qui est né le 31 décembre. Donc on a fait l'anniversaire de mon neveu. Elle me lèche partout. Je ne comprends pas. Et le dimanche, ben, j'ai rangé un peu tout ce qui était cadeau de Noël qu'on a reçu et tout ça. J'ai bien dormi et j'ai passé ma journée à regarder Esprit Criminel. Voilà. Là, j'ai changé un peu. Je suis sur les vidéos de Sahara, donc à regarder après minuit, parce qu'elle a sorti une vidéo spéciale tueur en série qui dure 4 heures. Donc, elle fait elle reposte plusieurs de ses vidéos qu'elle a postées. Et j'ai aussi commandé, donc ça, je devrais l'avoir demain. J'ai fait une commande Boozy Shop. Bon, j'ai rien pris vraiment pour moi. Il y avait la. Je me suis créé un rouge à lèvres Jeffree Star, donc je vous montrerai ça quand j'aurai reçu, qui était en promo, parce qu'il y a déjà des promos sur Boozy Shop. Il y a la palette Avatar, donc je l'avais mis en wishlist, commis, mais voilà. Parce que les couleurs sont sympas et que le thème me plaît beaucoup. Mais je la trouvais hyper chère, mais là elle est à 50%. Toute la collection d'ailleurs est à 50%, donc avant de commander quelque chose, il faut que je demande à Manon par rapport au swap. Mais je voulais absolument pas passer à côté si jamais elle me l'avait pas prise pour le swap. Arrête Riley ou je te mets par terre. Lâche mon pull. Lâche. Jouer avec ton jouet. Attends, je te prends ton doudou. Hop là. Tiens. Jouer avec ton doudou. Mort ton doudou. Pas mes mains. Ni mon pull. Donc, je voulais pas passer à côté. Donc, je me suis dit, je vais quand même la commander avec la matin, que j'ai déjà, n'est-ce pas? Mais comme ça, je peux vous la mettre de côté pour un futur concours. Donc, soit les 5K, soit les 11 ans de la chaîne. On verra lequel arrive en premier. Mais voilà, j'ai dit à 50%, je peux pas passer à côté. Donc, si jamais je l'ai pas dans... Enfin, si Manon me dit que je peux pas la commander, ça sera pour vous. Si elle me dit que je pouvais la commander, ça sera pour moi. Et du coup, ça sera pour vous, puisqu'elle m'a dit que je pouvais pas la commander normalement. J'ai également craqué chez Beauty Bay. Encore. Je me suis commandé la collection Dark Fantasy. Donc la palette. Ouais, c'est Dark Fantasy, je crois.
Ouais. C'est à cause de Erika qui les deux trois fois qu'elle est venue chez moi, elle avait utilisé cette palette-là et que je trouvais qu'à chaque fois c'était très beau. Donc du coup, comme c'était en promo aussi, je vous mets les liens en barre d'infos. Ils sont affiliés, mais si les promos doivent être encore dispo. Elle est à 40 ou 50%, donc ça m'est revenu à 23 euros la palette plus le kit de pinceau. Et j'ai pris également, vu que je ne sais pas résister aux promos ni aux darks, les deux palettes Eau Coralie qui revenaient à 11 euros à la place de 20. Donc voilà. Franchement, j'avais craqué sur la plus dark des deux. J'aime bien la qualité Beauty Bay, donc je sais que je ne regretterai pas mon achat, même si ce n'est pas des palettes que j'utiliserai régulièrement, mais elles m'intriguaient beaucoup. Et voilà. Donc il y aura des swatches et le make-up à venir dès que j'aurai reçu ça. J'attends toujours mon colis Focalure qui ne bouge pas des masses. Et j'ai une collab bijoux aussi que ça ne bouge pas. Je vais envoyer un mail pour voir un peu si c'est normal. J'espère que le colis s'est pas perdu dans l'entrepôt ou quoi. Bon, va jouer par terre, là tu me saoules. Hop là. Allez, va jouer avec tes doudous, tes jouets, là, t'en as plein. Ça sera mieux que mes doigts. Et bah voilà pour mon petit week-end. Là aujourd'hui, bah finalement, je pense que je vais glandouiller. J'ai envie de rejouer aux Sims en ce moment, donc je pense que je vais un petit peu jouer aux Sims. Sam s'en va, il va passer l'après-midi chez sa copine. Chéri devrait rentrer tôt du boulot parce que il a commencé à 3h, 3h ou 3h30, vu qu'il devait replanifier tous les nouveaux tarifs et tout ça avant 6h du matin, puisque c'est le début d'année, hein, donc il y a des changements de tarifs. Donc il devrait rentrer assez tôt. Il m'a dit j'essaie de partir vers 1h30, mais bon, s'il n'a pas fini, il restera au boulot, hein, je sais comment ce qu'il est. Donc voilà, il va rien se passer aujourd'hui. Je vais vraiment glander. Je vais achever la vidéo de Sahara et ensuite je repasserai sur mes esprits criminels. Je vais voir si après manger j'ai besoin de ma sieste ou pas. Mais je pense que je me mettrai peut-être bien dans le canapé pour dormir moins profondément que ce que je peux faire d'habitude. Enfin, je sais pas, à chaque fois je dis ça, mais j'arrive pas à dormir dans le canapé. Donc, je pense que je finirai quand même dans le lit si Miss Riley est. Ah, attendez, elle a chopé mon truc qui est tombé. Non, non, ça ne peut pas. Si. Donc voilà, on verra bien comment va évoluer la journée. Enzo rentre que demain. Si j'arrive à aller. Un peu à la sieste avant que Chéri rentre parce qu'on a deux, trois courses à faire. Je dois aller chercher un colis Vinted qui est revenu. Il faut que j'aille voir à la pharmacie pour chercher mes cachets. Non, non, allez, dehors, viens dehors, allez, dis, rigole ou quoi, c'est un profil. Elle est sympa, je vais aller prendre la douche avec elle, heureusement qu'on a la pergola. Donc je voulais boire un coup de café. Faut que j'ave mes pinceaux, absolument. Faut que j'ave mes pinceaux, ça fait 3 jours qu'ils sont en bas parce que je dois les laver et que je les ai toujours pas lavés. Donc voilà, j'attends toujours mon colis Amazon avec mes piercings. J'attends. À mon avis, je les aurai demain, donc on verra bien. Bon, bah écoutez, là je pense qu'on va déjà switcher 2 jours. Moi, il me reste le make-up, le dernier make-up d'une palette 3 looks avec la Martine à tourner. Ensuite, j'ai les swatches de make-up et le unboxing Focalure, mais ça sera quand je les aurai reçus, donc je dois attendre de les avoir reçus. Mais je vais pouvoir attaquer cette semaine, la semaine des films de science-fiction. Donc je vais pouvoir préparer ça. Elle vient de rentrer dehors, elle est encore en train de tourner. Je la soupçonne de refaire caca dans la maison. Donc voilà, bon, écoutez, sur ce, Riley dehors. Riley, va dehors, caca. Dehors. Bon, en plus elle fait bien en dessous de la table. Je vais devoir me mettre à 4 pattes pour ramasser sa crotte. C'est sympa. Voilà. Bon, allez, sur ce, on switch 2 jours, sauf si jamais j'aurai un livreur qui passe. Mais ça m'étonnerait. Alors, il est 11h16 et je viens d'assister à la conversation téléphonique la plus stupide au monde. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin conseil. Donc, j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous. Elle me dit, mais vous auriez dû nous appeler avant le 21. Il n'y a pas de date et j'ai reçu le mail aux environs du 20. Donc, c'était un peu tendu, hein. Et j'ai essayé de vous joindre toute la semaine dernière et ça sonnait dans le vide, quoi. Elle dit, ah oui, il y avait beaucoup de monde en congé. Ben oui, donc voilà. Et au lieu de me fixer un rendez-vous, je dois attendre maintenant de recevoir un nouveau mail pour me dire que je vais devoir prendre rendez-vous et retéléphoner pour prendre rendez-vous.
Moi, pas comprendre, hein, madame. Pourquoi pas me fixer le rendez-vous direct, madame? Moi, pas comprendre, hein. Donc voilà, je ne comprends absolument rien à la vie. Bref. Donc, j'ai reçu mes piercings, je vais vous les montrer juste après, mais j'ai oublié de vous montrer mes deux robes que j'ai achetées sur Vinted. 10 euros les deux robes, je me suis pas ruinée. Et elles sont magnifiques. Alors, tout d'abord, il y a celle-ci. Je vais essayer de reculer un peu. Donc, c'est des mini et super cintrées, hein, voilà. Mais elle est canon, avec les détails de dentelle sublimes. Il y a une tirette bandeau pour la fermer. Elle est en matière un peu crêpe comme ça, j'aime beaucoup. C'est une Zara et celle-ci, elle est en teint, en teinte. En taille 38. Et elle me va nickel. Ensuite, j'ai été un petit peu gourmande avec la suivante. Je vais vous la mettre sur le cintre aussi pour vous la montrer, ça sera mieux, ça sera plus joli, vous verrez mieux. C'est une 36. Alors, je rentre dedans, il n'y a pas de souci, sauf que je n'arrive pas à fermer la tirette jusqu'en haut. Je bloque au niveau de ma carrure de camionneur. J'ai des épaules très larges, mais regardez-moi cette merveille. Elle est sublime. Mais vraiment, vraiment, vraiment sublime. Donc là, c'est une taille 36. Hein. J'ai le cul un peu plus gros que les yeux. Et c'est une carmini. Donc dans le dos, il y a la tirette normalement qui monte jusqu'ici, mais moi j'arrive à la fermer que jusqu'en dessous de la bande noire en fait. C'est la bande noire qui me freine un peu puisque j'ai du mal à fermer au niveau de ma carrure. C'est même pas les nichons qui bloquent, c'est vraiment la carrure. Donc il faut que j'essaye avec une brassière beaucoup plus fine en dessous déjà pour commencer ou rien pour voir. Et sinon, ce que je vais faire, je vais juste au niveau de la bande noire, ici, vous voyez, coudre pour faire un décolleté un peu plus plongeant dans le dos. Et comme ça, je pourrais la mettre. Et je pense que c'est ce que je vais mettre. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui se marient le 20 mai. Donc je pense que c'est ce que je mettrai pour le mariage. Voilà. Par contre, elle est très mini et très cintrée. Hein. Voilà. Mais elle est canon, vraiment canon. J'adore. J'ai vraiment craqué dessus. Les effets de dentelle et le croisement, là, wow, vraiment, ça met le corps en valeur. Hein. En valeur. En valeur. Je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi grâce à Miss Riley. Bon, attendez. Je vais remettre ça par là avant qu'elle les chope parce qu'elle pique mes fringues. Oh, punaise. Donc j'ai dormi à peine 5 heures en tout et en deux fois. En fait, Riley m'a réveillée à 3h30 du matin parce qu'elle devait faire pipi. Donc ça, maintenant j'ai pris l'habitude de me réveiller une fois dans la nuit pour. Ça arrive pas tous les jours, mais il y a des nuits où elle a besoin de faire pipi. Donc je descends, je la fais pipi. En principe, j'attends parce qu'après elle joue un peu, donc je la laisse jouer un peu. Et quand je vois qu'elle recommence à se recoucher soit dans le panier ou à demander à venir sur mes genoux, je remonte me coucher avec elle. Et comme ça, elle redort. Mais là, il y a Mr. Ryan qui a décidé de sortir en même temps, mais que j'ai pas réussi à faire rentrer avant 4 heures. Non, même pas. Attendez, parce que j'ai dû aller réveiller Chéri à 6h moins le quart. Je lui ai dit, lève-toi tout de suite, là, tu viens faire rentrer le chien parce que je suis crevée, il faut que je me recouche. Et depuis 3h30, il était dehors en train de bouffer un os. J'avais beau l'appeler, pas moyen de le faire rentrer. Merci Ryan. Voilà pour ma nuit. Donc je suis épuisée. Ma gorge va beaucoup mieux. J'ai encore un tout petit peu une gêne, mais plus une grosse douleur comme avant. Donc yézu. Et je me sens moins fiévreuse aussi. J'avais un peu un état fiévreux comme ça. Enfin bref. Donc j'ai reçu les piercings que vous recevez dans une petite pochette comme ça. Donc il y en a 12, c'est 6 anneaux et 6 labrets. Maintenant, je vais devoir que les anneaux sont vraiment rikiki. Donc, ça ira très bien pour mes piercings, ce genre ici. Mais je pense pas que ça ira pour mes lobes. Peut-être un, mais pas tous. Donc, on va essayer ça tout de suite. Je vais attacher mes cheveux parce que sinon, je vais emmêler mes trous. Je vais m'emmêler avec mes cheveux pour mettre les piercings dans les trous. Voilà ce que je voulais dire. Et ça a donné, je vais m'emmêler dans mes trous. Et je suis fatiguée, je vous ai prévenu. Oh.
Voilà, alors j'attends ma commande Bully Shop, mais pour moi il n'y a que le rouge à lèvres Jeffree Star, donc je vous montrerai demain parce qu'il vient entre 2h30 et je ne sais plus maintenant. Et 18h30. Donc avec le bol que j'ai, il va se pointer plus tard. Donc je vous montrerai ça demain. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer par les labrets que je pense que c'est ce que je mettrai au lobe. C'est pour ça que je les ai commandés, hein, de toute façon, de base. Il y a juste que j'attends la collab, là, bijoux. Mais comme c'est des vraies boucles d'oreilles, ça sera certainement... c'est un anneau avec une croix que j'ai pris. Ça sera sûrement plus large pour pouvoir le mettre. En fait, mes piercings, enfin mes trous ont tellement été mal faits. Vous voyez, le premier, il est ici. Enfin, vous allez voir quand je vais mettre les boucles. Et le deuxième, il est un peu plus bas ici. Donc, voilà. En fait, le premier a été mal fait quand j'étais enfant, puisque normalement, c'est au centre... on le met au centre du lobe. Hein. Ben, moi, non, il me l'a mis ici. Et après, le deuxième, quand j'étais faire le deuxième trou, il me l'a fait à côté parce que, voilà, le faire ici, ça faisait un peu bizarre, mais j'aurais préféré. Et pareil de l'autre côté, hein. Voilà. Donc, je m'étais renseigné auprès de la perceuse pour le refaire, les refaire correctement. C'était possible, mais bon, je me dis 30 balles pour faire des trous que j'ai déjà, c'est un peu con. Donc, vous avez les labrets, vous en... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein. Oh, j'ai plus de batterie, merde. Vous en avez un en forme d'étoile. Vous avez un petit diams. Vous avez une bouboule toute simple argentée, comme ceux qui vous mettent quand vous faites le piercing. Là, il y a un petit cours. Oh, le focus, il ne veut pas se faire, déjà que j'ai plus de batterie. Vous avez un autre diamant. Mais c'est pas le. Il est plus plat et une boule disco. J'aime beaucoup la boule disco au passage. Voilà. Et dans les anneaux, je vais essayer de vous montrer ça avant que ça coupe. Ensuite, je les mettrai, je vous montrerai vite fait au téléphone et on en reparlera demain. Donc il y a celui-là, c'est un cœur avec un côté torsadé. Mais vous voyez, c'est un que vous devez écarter pour glisser et après remettre le trou, enfin le truc. Il y a celui-là, donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. Il y a le même genre avec un anneau tout basique, qui n'a rien de spécial. Il y a celui-là avec une bouboule. Oh merde. Mais je pense que ceux-ci, pour mes tragus, seront mieux. Ils seront un peu plus petits que ceux que j'ai là. Quoique ils ont l'air d'avoir la même taille. Et ensuite il y a les deux qui sont entrouverts. Alors, je ne sais pas comment les prendre. Bon, je vais déjà vous montrer celui-ci. Avec deux brillants. Et celui-ci avec une lune et une étoile brillante. J'aime trop. Et c'est cela que je voulais mettre à mes oreilles ici, mais je pense que ça n'ira pas. Je vais essayer. Je viens vous remontrer après au téléphone. Parce que là, j'ai plus de batterie, ça va couper. Donc, je mets mes piercings. Je vous remontre ça vite fait au téléphone. Et vous verrez mieux demain le résultat à l'appareil. Où je mets chargé 5 minutes le temps de faire ça. Et je vous reprends l'appareil. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais je vous reprends pour vous montrer le rendu. Alors, il est 10h46. Je suis en train de faire mon ménage. Donc là, je fais une petite pause ménage pour vous prendre un petit peu. Donc j'ai changé mes perchings, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai mis. Je vais zoomer. Donc ici j'ai changé. Ah, attendez parce qu'il est... Il a bougé pendant la nuit. Je peux le remettre. Voilà. J'ai mis le duo comme ça, étoile et lune. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il fait pas le focus au bon endroit, bien évidemment. Voilà. Ici j'ai mis la boule disco. Et j'ai mis l'anneau en forme de cœur, comme ça, avec le côté torsadé devant. Ici, j'ai mis les deux, j'ai mis le double comme ça. J'ai mis un strass là et un strass ici. Voilà. Mais alors, pour celui-ci, je voulais mettre celui en forme d'étoile. Sauf que,
J'ai fait tomber l'étoile une fois, chérie me l'a retrouvée et je l'ai fait tomber une deuxième fois, pas moyen de la retrouver. Donc là, comme je viens de nettoyer, elle est perdue à tout jamais. Du coup, je viens de recommander des piercings. Mais j'ai pris des noirs cette fois-ci pour changer un peu, comme ça je ferai un mix noir et argenté. Donc je les ai pris sur Amazon encore, hein. Normalement je les reçois demain. Je dis bien normalement parce qu'en ce moment, il y a du retard dans les livraisons Amazon, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris donc ces 17 pièces pour 19,98 € 20 balles quoi. Donc franchement ça va. Il y a deux anneaux, il y a deux torsades, donc ça j'aime pas trop, c'est fait pour les conches, mais je vais pas le mettre aux conches. Il y a deux étoiles, il y a un labret et un avec la boule. Donc je pense que je mettrai une étoile peut-être ici pour changer celui-là. Et une ici. Je ne sais pas comment je vais jongler. Il y a une plume. Il y en a deux en forme de banane. Donc, soit s'ils ne sont pas trop grands, j'en mettrai peut-être bien à la place de celui-ci. Celui-ci, en fait, au départ, je voulais mettre celui-là, mais j'arrive pas à le dévisser. Il faut que chérie m'aide. Donc, je mettrai peut-être un comme ça. S'ils sont trop grands, que ça fait plus nombril, j'essaierai peut-être d'en mettre un ici. Je ne sais pas. Il y a une fleur, une plume, il y a trois boules, enfin trois diamants, il y a un cœur de nouveau, il y a deux cœurs même. La petite fleur a l'air sympa aussi, donc je pense que je vais mettre la fleur aussi. Je sais pas, je verrai bien quand je les aurai reçus, mais je pense que je ferai un mix noir et argenté. On verra bien ce que ça donne. Je changerai peut-être mon conche ici, parce que l'autre a l'air plus petit, mais celui-ci j'aime tellement. Donc je pense pas que je changerai celui-là, je l'aime trop. Je verrai bien. Si les anneaux sont assez grands, je pourrais mettre également ici. Il y a un lisse et un torsadé, donc au moins mettre le torsadé. Je sais pas. Je vais voir quand je les aurai en main. Il n'y a qu'une fois qu'on les a en main que. Et il faudra un peu que je fasse un tri de mes piercings, ceux que je ne mets pas, les mettre en vente. Comme ça, je récupère un peu de sous. Et voilà, tout simplement. Donc hier, j'ai aussi fait une commande Maki Beauty. Donc, contrairement aux autres commandes que j'ai fait pour principalement pour le swap, et en principe il y avait un petit truc pour moi, comme le Boozy Shop, j'ai le rouge à lèvres qui est juste là. De toute façon, je vous ferai un haul une fois que j'aurai tout reçu parce que il y a un peu beaucoup. Là, j'ai commandé, merde, c'est pas ça. Là, j'ai commandé principalement des soins pour moi et un truc pour le swap. Ouais, des petites gadgets pour le swap quoi, mais. Voilà, je vous montrerai ça. J'ai repris une Manic Panic Vénus en vie, donc la verte, parce elle est en promo à 4,78 €, quoi. Donc là, ça valait vachement le coup. J'ai même pris un dentifrice Oral-B à 2,69 €. Enfin, voilà, c'était vraiment les soins. J'adore les soins chez Maki Beauty. Donc, enfin, j'ai pris ma crème In et le reste, c'est des masques. J'en ai pas assez, hein. Ah, et j'ai pris un savon, un mousse savon douche en pot. Litchi et Noni. Je ne sais pas c'est quoi Noni, mais j'adore le litchi. Donc pour l'été, ça va être top. Mais je vous ferai un haul. Ça sera beaucoup plus simple de tout vous récapituler en même temps. Parce que entre Amazon, Boozy Shop, Glisten, j'ai commandé un peu partout. Vraiment partout. Bref, donc j'ai reçu mon rouge à lèvres Jeffree Star, qui est un marron. C'est le Tax Break. Je me demande si je l'ai pas déjà. Non, je l'ai pas déjà. J'ai pas de marron chez. Quoique. Je suis en train d'hésiter maintenant, voir si je l'ai pas déjà. Avant de l'ouvrir, j'allais vérifier si je l'ai pas déjà. Parce que je vais pas faire un swatch et l'ouvrir, sinon je vous le mets. Je vous le mets en concours. Donc j'irai vérifier. Je sais plus. J'ai un doute là. D'un coup, là, ça me. Je me demande si c'est pas le dernier que j'ai commandé déjà. Un petit peu. Bref, bref. Sinon, bah là, il faut que j'achève de nettoyer. Il ne me reste plus que la cuisine à faire. Ranger un peu la table parce qu'on a été aux courses hier. Oh. Fait se casser la gueule. On a été aux courses hier et du coup, c'était le début des soldes à Auchan. Donc, j'ai juste pris. Je me suis pris un pantalon de training yoga pour traîner. Il est à 5 €. J'aime bien la couleur, c'est un. Oui, de cette couleur-là. Voilà, il est tout basique.
Il était à 50% et j'ai pris un doudou à la petite pour jouer, qui était à 50%, mais j'ai craqué, je l'ai trouvé trop beau. Attendez, parce qu'elle a la tête dessus. Attends, je te l'emprunte, je te le rends. Bon, il est déjà dégueulasse parce qu'elle a joué avec toute la soirée. Mais il était trop mignon. C'est un doudou pour bébé, hein, normalement, mais voilà, j'ai trouvé trop choupi. Et pareil, il était à 50%, donc ça revenait à 5 euros. On a trouvé des graines pour les chichous aussi, des nouvelles. On a acheté deux pantalons pour Georges, pareil, à 5 euros, je crois. Donc voilà. Écoutez, aujourd'hui, il ne va pas se passer grand-chose. Je ne reçois rien. Oh, j'ai mal au ventre. Je vais me refaire un café maintenant que c'est sec dans la salle à manger. Je vais commencer à emballer le swap aussi. J'ai préparé le menu. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Ouais, il me reste plus qu'un truc à commander pour le swap. Je suis contente. J'attends de voir si j'ai un code promo sur un des sites où le produit est dispo, ou s'il y a les soldes qui se mettent enfin en route un peu à droite à gauche. Voilà, et là j'attends de recevoir un peu toutes mes commandes pour faire j'attends Beauty Bay pour faire les swatches de make-up. J'attends le unboxing pour faire le truc Focalure, j'attends le colis Focalure. Les bijoux, j'ai pas de nouvelles, j'ai renvoyé un mail hier, j'ai pas de nouvelles. Là, je voulais tourner un réel, mais je le tournerai demain. De toute façon, c'est pour demain, donc je peux le tourner et le filmer et le poster le jour même. Ça va vite. Et ensuite, j'attaquerai la semaine des films de science-fiction, puisque de toute façon, les autres, je dois attendre de recevoir ma commande Beauty Bay pour faire les swatches et le make-up. Donc, à mon avis, j'ai le temps de faire ma semaine de science-fiction avant. Donc, je vous dis déjà, on a, je vous les donne dans l'ordre, Morticia, Bumblebee, Catwoman, Matrix, Avatar et Aquaman. Voilà. Et si ça vous plaît, on fera spécial personnage de dessin animé, peut-être dans quelques mois, mais hors Disney, quoi, puisqu'on fait les Disney Challenge. Donc, voilà, je ne sais pas, vous me direz si ça vous plaît. Et voilà. Ensuite, j'ai le haul et le crash test nouveauté à tourner, mais bon, crash test nouveauté, il y aura principalement 2-3 produits seulement à tester, mais bon, on verra bien parce que j'ai pas commandé beaucoup de make-up pour moi. J'ai reçu la palette Avatar pour les yeux et pour le teint pour vous pour mettre dans le prochain concours, et c'est vrai qu'elle est belle hein, pour les yeux. Waouh, franchement, je l'ai ouverte pour vérifier qu'il n'y ait pas de casse, mais franchement, elle est belle. Hein. Contente de. Je sais que je vais l'avoir dans le swap, donc voilà, je suis déjà contente que je sais que je l'aurai et je suis contente de l'avoir trouvé à 50% pour vous parce qu'elle est quand même super canon. Je dois avouer que elle est très bien faite. Voilà, bon, là je vais aller vérifier pour le rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais donner des cacahuètes à Silver parce que quand il se réveille à ce sourcil, c'est parce qu'il veut des noix ou des cacahuètes, mais les noix, j'arrive pas à les ouvrir. Donc je vais lui donner des cacahuètes, ça je sais faire. Je sais pas ce qu'il fait. Petit bébé. Mon petit bébé. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues. Oh, tu joues, mon petit bébé. Bonjour, mon titi Silver. Tu viens dire bonjour à les gens? Attendez, je vous l'attrape. Tu veux venir dire bonjour à les gens? Bonjour, mon pépé. Saute pas comme ça après la porte, tu vas tomber. Bonjour mon gros. Bonjour. Tiens, gars, tu dis bonjour les gens? Bonjour les gens. Attendez, parce qu'il faut focus sur ma tête. C'est pas intéressant ma tête. Bonjour. Tu dis bonjour. Hey, coucou. Bonjour. Bonjour mon pépé. Bonjour mon petit pépé. Alors, il veut toujours être sur les mains. Mais le problème, c'est qu'il veut qu'on garde les mains dans la cage. Si peu qu'on sort de la cage, il stresse un peu. On va pas par terre, hein, parce qu'il y a la petite, hein, elle vous connaît pas encore. Hein. Viens sur ma main, je te remets sur la cage. Regarde, tu t'accroches dans mon gilet. Faut vraiment que j'essaie de lui couper les griffes à lui. Parce qu'il s'accroche toujours partout. Mais calme-toi, que je te décroche. Attends, t'es accroché. Voilà. Là aussi, t'es accroché. Oh. Allez, je passe sur la cage. Oui, bah rentre dans la cage. Hein. Dans la cage, Silver.
Rentre dans la cage, Silver. Oh, bah, il est tombé. Il est ici. Il remonte après mon manche, le balai. Enfin, du mob. Allez, viens. Allez, t'as eu peur, là. Viens. Viens, maman va aller chercher les cacahuètes. Okay. Bon, il a décrété que c'était l'heure de jouer. Il est au-dessus. Bon, j'allais lui donner quelques cacahuètes pour le faire rentrer, parce que là, je peux pas nettoyer et... La petite, elle dort avec quatre pattes en l'air. Elle m'a laissé un peu mieux dormir cette nuit. Elle m'a réveillée à 3h30 pour le pipi. On est remonté se coucher presque instantanément. J'ai attendu quoi, 10-15 minutes, le temps que je vois qu'elle se recouche. Et puis elle m'a laissé dormir jusqu'à 7h30 après. Donc c'est bien, on a bien dormi. Puis après j'ai mangé aussi et je pense que j'irai quand même faire une sieste. Parce qu'il faut que je récupère mes petites nuits courtes et coupées. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, ben, j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais pas vous enquiquiner pendant une demi-heure pour rien. Ça va être un vlog très calme. Ouais. Donc sur ce, on suit le jour. Alors, il est 10h30. Je suis réveillée depuis... Quand elle m'a réveillée aujourd'hui, 5h ? Non, 4h30, je crois. 4h30 ou 5h ? Mais elle a dormi toute sa nuit, on est monté se coucher à 22h, donc ça c'est bien. Mais là je commence vraiment à fatiguer, donc je pense que j'allais me recoucher un peu. J'attends de voir si le facteur me dépose un colis ou pas. J'ai tourné le premier make-up des films ce matin, mais je me suis déjà démaquillée pour pas vous spoiler. Et voilà, ben, aujourd'hui va rien se passer, clairement rien. J'ai les piercings qui arrivent, mais ce soir, donc, je vous montrerai demain. Et là, je viens de faire une commande Shein, parce que je voulais recommander un panier, enfin pas vraiment un panier, mais vous savez, les gros coussins tout mouteux là pour chien. Donc je lui ai commandé ça, du coup j'en ai profité, je me suis pris un gilet et un pyjama, les super nanas. Je me suis pris un support pour mon téléphone et j'ai pris deux paires de pantoufles. Ouais, je crois que j'ai pris que ça. Je vais te dire, je regarde, mais il me semble que j'ai pris que ça. pantoufles, ouais. Trois paires de pantoufles, j'ai pris, je crois. Deux paires de pantoufles. Et voilà. Donc, le vlog risque d'être assez court, mais cette semaine est très calme. Ça change les 2 heures du dernier Vlogmas, on est d'accord. Mais, je vais pas inventer des choses qui ne sont pas vraies. Je sais pas comment, je vais pas m'inventer une vie pour combler le vlog. Donc là, je suis en train d'attaquer la semaine des films, puisque les vidéos que je suis censée vous poster fin de la semaine prochaine pour vous. Faut que j'attende mes colis. Le unboxing Focalure, ça me fait un peu peur parce que je viens de voir que il était seulement parti de l'aéroport de Chine. Attendez, comment est-ce qu'ils ont traduit ça? À décoller. Le 5, donc c'est ce matin. Ouais. Enfin, cette nuit, quoi. Il a décollé cette nuit. Je sais pas combien de temps il faut pour qu'il arrive en Belgique. Et là, ça a été super long, je trouve, depuis le 20. Depuis le 20 décembre, ils ont reçu les informations. Et le 26 seulement, ils ont reçu le paquet. Donc, il y a déjà 6 jours de décalage pour ça. Donc, ouais, ça me paraît long cette fois-ci. Mais bon, comme il y a eu les fêtes, je pense que c'est logique. Mais j'espère l'avoir avant... pour vendredi prochain, quoi. Sinon, il faudra que je décale une vidéo. Mais du coup, comme après, j'ai 7 jours pour poster la vidéo, et qu'après, j'ai la semaine de Saint-Valentin, qu'est-ce que je dis, la semaine des films, ça va être un peu tendu. Enfin, bref, on verra bien quand est-ce que je le reçois. Sinon, tant pis, ça attendra un peu. Hein. Je ne vais pas faire sauter tout mon planning. J'ai l'air épuisé, hein, mais je suis épuisé. Ce n'est pas juste un air.
Donc là, je vais aller pisser, je vais éteindre mon poêle. Je mangerai quand je suis réveillée. Mais bon, c'est un peu pour que le facteur me dépose un colis, puisque mes suivis... Alors, Beauty Bay, c'est marqué que vous avez full suivi, enfin, suivi complet. J'ai même pas un numéro de suivi, quoi. Couple pas. Donc, comme j'attends quand même deux commandes, logiquement, sur les 2-4 jours ouvrés qui disent, j'aurais dû en recevoir une hier, déjà. Là, j'ai enlevé mon vernis, donc ce soir, je vais refaire mes ongles. Je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Je vais peut-être changer un petit peu d'une ou autre. Donc, je pense que je vais pas trop me casser le nez, que je vais juste mettre une couleur sur mes ongles, et ce sera déjà bien. Oh pardon, je vais vous foutre la flemme, vous allez voir, je suis très douée pour ça. Là la petite elle dort super bien, et le problème c'est que quand je vais monter me coucher, elle va foutre le bas. Première que j'ai dû appeler Georges en renfort pour qu'il me la garde le temps que je puisse dormir un peu. Et puis après l'après-midi, les deux chiens ont foutu le bordel tout l'après-midi. Ils ont joué ensemble tout l'après-midi. Alors, ils se grognent l'un sur l'autre, ils s'aboient l'un sur l'autre et tout. C'est très reposant quand ils jouent. Toujours. Bon, bah écoutez, sur ce, on suit deux jours. Je vous ai déjà donné le planning, il me semble. Hein. Ou pas. On ne donnait plus. Je vais déjà vous donner le planning. Lundi, une palette trois looks avec la Martine fait du ski. Mercredi, ma collection de bronzer et d'highlighter. Et normalement, vendredi. Le unboxing et le crash test focalure, mais si je ne l'ai pas, je sais pas ce que je vais vous mettre à la place, quoi. Si je ne l'ai pas, et si jamais je reçois, je ferai les swatch and make-up aussi des palettes Beauty Bay, mais je sais pas si je les aurais reçus pour là, donc on verra bien. Crash test nouveauté, il faut que j'attende encore une commande. Le haul, j'attends plein de commandes. Donc je ne sais pas ce que je vous mettrai à la place du unboxing, on verra bien. Peut-être le random color challenge, je ne sais pas. Je verrai suivant ma motivation du moment. Bon, allez, sur ce, on suit deux jours. Demain on fera la clôture. Mais ça fait 15 fois que je vous dis on suit deux jours, mais que je continue à parler. Demain on fera donc la clôture. Et je vous montrerai aussi les piercings. De toute façon, je pense que je vais les mettre ce soir, comme ça vous verrez mieux. Et voilà. Donc maintenant, c'est bon, on suit toujours. Alors, il est 8h46. Une vraie horloge parlante, la fifi. Je viens de manger une gaufre, j'ai un bout de sucre coincé dans ma dent. C'est extrêmement chiant. Donc, je viens de tourner Bumblebee. Voilà, je me suis démaquillée pour pas vous spoil. J'attends un colis GLS qui vient aujourd'hui. Et peut-être bien un bipost, mais je pense que c'est les deux Beauty Bay que j'attends. Voilà, voilà. C'est tout. Cette semaine a été très calme. Très calme. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Georges. Il a 16 ans. Vous ne le verrez pas parce que... Monsieur... Ah si, je le réveille à 9h30. Si j'y arrive. Hein, parce qu'il y a sa copine qui a passé la journée ici. Ouais, il a eu 15 jours de semaine... de 15 jours de congé et vous l'avez pas vu du tout parce que il dort. Voilà, il fait une cure de sommeil pendant les congés. Hein. Après, il se couche très tard et il se lève trop tard. Voilà. Là, je dois aller réveiller, j'ai déjà peur. Riley est plutôt sympathique. À mon avis, Ryan est déjà remonté se coucher et ça ne me plaît pas à madame. Donc, j'ai reçu mes persas hier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis la petite étoile ici. C'est un labret, donc c'est noir. J'ai mis la flower ici parce que je la trouvais trop jolie. Elle est vraiment très belle, celle-là. De l'autre côté, j'ai mis ici une étoile et la plume. Et c'est tout ce que j'ai changé. Voilà, je voulais absolument mes petites étoiles. Là, il y en a deux, j'en profite. Et je trouve que sur Eutragus, ça fait très joli, très discret. Voilà, et celle-ci est juste magnifique. Je vais vous montrer les autres qui étaient avec. Alors, j'ai déjà commencé à préparer. Je vais faire mes ventes d'une tête, tantôt, si j'ai le courage. Ce qu'il y avait avec, mais je ne vais pas tous les garder.
parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas. Je suis très gros plan, là. Je viens de m'effrayer moi-même en voyant ma tronche de cyprès. Alors, il y avait deux comme ça, des petits strass. Voilà, donc vous avez dedans un labret et un piercing classique. Il y en a deux pour le nombril ou l'arcade. Je pense que pour le nombril, ça peut très bien le faire aussi. Celui-là, ils sont très beaux. Je voulais essayer de les mettre ici, vous voyez, pour faire redescendre la fleur en dessous, mais c'est pas assez large. La fleur, elle vient trop sur le côté, elle reste pas en dessous du lobe. Parce que comme j'ai les trous qui sont vraiment bien faits, hein. Si je regardais celui-ci, ça aurait été top. Il est très beau aussi. Il y avait un comme ça en aiguille avec une boule disco aussi. Hein, c'est le même modèle. Donc ça, c'est les petites pochettes que j'ai fait. Mais comme j'ai déjà là, je l'avais en argenté. Un aiguille comme ça avec une étoile. Et j'ai mis celui-là avec, c'est un petit strass brillant. Ici, vous avez les petits cœurs. Donc, il y a deux labrets, un noir et un argenté. Et un avec une fermeture classique. Donc, c'est le petit cœur assorti à celui-ci. Et je crois que c'est tout. Ah non, les autres, je les ai mis dans ma boîte. Alors, attendez, il faut que je vous bouge. Vous êtes dessus. Alors, je regarde ce que j'avais d'autre. J'ai un paquet de piercing, je peux changer quand je veux, hein. Je vais peut-être me calmer, mais j'ai gardé un pour parce que j'aimerais bien aller faire le Dace, donc j'ai gardé un pour faire le Dace. Enfin, j'en ai gardé quelques-uns, hein. Il y en a qui se ferment plus, il y en a que j'ai déjà utilisé, donc je vais pas les mettre en vente, ceux-là sont neufs, donc voilà. Donc, j'ai préparé aussi des brillants, enfin des argentés que je mets pas. Il y avait deux anneaux aussi dans les noirs, un lisse et un torsadé. Alors ils sont rikiki, je pense même pas qu'ils iraient pour le l'hélix, mais pour le tragus c'est nickel, donc je garde pour quand je veux changer. Et pour le day, j'ai gardé celui-là pour quand j'aurai mon day, c'est que je pourrais changer la truc, ça fera très beau. Et il y a encore celui-ci qui était dans le... Voilà. Ça, c'est plus pour l'hélix. Et voilà. C'est ce qu'il y avait comme piercing dans ceux-là. Je crois que je vous les ai tous montrés. Là, je me tâte à aller refaire trois piercings. Oui, ça me reprend. Déjà, je veux faire le Dace ici. Mais j'aimerais bien faire un flat et faire un trou ici. Un autre trou ici. Mais je pense que je vais d'abord me renseigner juste pour faire le Dace. Comme ça, j'ai le temps de bien le désinfecter. Je sais pas. Faut que je vois parce que maintenant, pour l'instant, ils sont en cours de déménagement. Donc pour l'instant, elle les fait chez elle. Et avant de s'installer à Arlon. Donc là, il faut monter à Attert. Faut que je vois... si elle prend des rendez-vous samedi et que je calcule un peu le prix, puisqu'en sachant que si j'en fais 3, le troisième il est à moins 50%, mais ça sera le moins cher, donc ça sera celui-ci qui sera à 30 €, donc je gagne que 15 €. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Bon, après c'est toujours 15 €, hein, vous me direz, mais on verra bien. Je vais voir, faut que j'en discute un peu avec Chéri, voir s'il me payerait mes piercings pour mon anniversaire. Vous demandez aux gens qui vont me demander ce que je veux pour mon anniversaire, dire qu'ils peuvent me donner de l'argent pour aller faire mes piercings. Voilà, voilà, je ne sais pas. Là, il faudrait que je fasse mes ventes Vinted, mais d'abord, je vais m'occuper de monter le vlog, de le uploader et tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, mon Georges, il a 16 ans. Là, j'attends d'aller le réveiller pour lui souhaiter bon anniversaire. Et voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous ai donné le planning de la semaine prochaine. Oui. Hein. Ouais. Mais là je pense que je vais recevoir Beauty Bay. Donc je vais avoir la Dark Fantasy et les deux palettes Eyo Coralie. Maintenant je ne sais pas si je fais un swatch and make-up par palette Eyo Coralie ou si je fais les deux d'un coup. Dans la même vidéo. Donc dites-moi ça en commentaire. Comme ça je sais. Je vais peut-être faire un sondage.
sur Insta aussi. Parce qu'alors à ce moment-là, si je fais en deux vidéos, ça vous ferait une vidéo tous les jours. En sachant que demain, j'aimerais bien aller chez Primark, mais il faut que j'arrive à décider, monsieur. Ça, c'est pas gagné. Parce que comme Georges a eu des sous, a eu pas mal de sous pour son anniversaire, j'ai pas envie qu'il les dépense dans des conneries. Je préférerais qu'il aille s'acheter ses fringues. Et il adore aller chez Primark. Donc, je vais essayer de négocier avec monsieur pour aller là. Donc, au pire, vous aurez peut-être un haut Primark. Je sais pas. Faudrait bien que j'aille chez Action aussi parce que j'ai vu des bricolages à faire, mais il me faut des petits yeux. J'ai pas de petits yeux. Bref. Bon, là, je vais m'occuper du montage du vlog en gardant Esprit Criminel. Je vais commencer à saison 10. C'est le premier épisode de la saison 10. Je crois que c'est ceux avec Jennifer Love Hewitt. Donc, je vais voir ça. Aujourd'hui, vous avez le crash test des perruques. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, il y en a des jolies. Aujourd'hui, pour moi. Et demain, pour moi, il y a le live. Qui va être principalement du glandage, blablatage et cafetage. Donc, je vous remets la rediff en barre d'infos. Et voilà, voilà. Donc, si j'oublie pas. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog, il sera assez court, mais la semaine n'est pas passionnante de base. Là je vais renettoyer, et ouais, puisque à peine j'avais fini de faire le ménage, c'est quand je l'ai fait avant-hier, le chien est rentré avec les pattes pleines de boue, donc il m'a foutu plein de traces de pattes, et la nouvelle passion de Riley, c'est trouver tous des petits bouts de papier ou de carton, et les déchiqueter en miettes, et m'étaler tout ça par terre. Donc là j'ai une grosse, j'ai des confettis par terre. Et après, je pense que je vais commencer mes ventes vintage, si j'arrive à rester motivée. Hier soir, j'ai refait mes ongles aussi. Bon, j'ai fait 4 sèches. Voilà, je ne me suis pas trop cassé la nénette. J'ai mis du marron en dessous. J'avais envie de marron. Et du 4 sèches un peu bleu par-dessus. Sauf que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, le marron, il a fripé en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça veut bien faire le focus sur mon ongle. Tu veux bien? Tu veux bien? Pourquoi tu fais le focus par là? Oh! Bref. Il est un petit peu fripé et du coup j'ai la base, le top coat qui s'est enlevé. Bon, pourquoi? Bref. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si c'est bon gourfé. Moi, je prépare le concours des 5000 abonnés et en parallèle, je prépare aussi celui des 11 ans de la chaîne. Donc, cette année, vous devriez avoir 3 concours au lieu de 2. Et voilà. Donc, moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous et puis passez une bonne semaine.